que la Tunisie n'implose pas et n'explose pas et ne continue pas à tourner en rond autour de ces quatre stratégies complètement bidons qui ont échoué depuis 20 ans et qu'on reperpétue. Je vous fiche mon doigt. Donc dans 5 ans, nous pouvions nous retrouver dans la même salle avec les mêmes acteurs, vous répondant pourquoi il est important de participer pour dénoncer machin truc. Dans 5 ans et dans 15 ans, ça sera pareil. Or, il faut sortir de ce cercle vicieux. Et c'est à la jeunesse maintenant de le sortir. C'est à elle d'organiser ce front de rupture. Il ne s'agit pas de vouloir amender la dictature. Il faut l'abattre. Les dictatures, ça s'abat. Il faut abattre la dictature, d'autant plus que c'est une dictature mafieuse et non même pas une dictature idéologique. Est-ce que vous considérez justement que votre parti est une menace pour le pouvoir? C'est-à-dire, est-ce que vous avez assez de gens, assez d'armes, assez de financement, assez de soutien bien pour pouvoir menacer clairement le... Mais bien sûr que non.